Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue à bord. La représentation qui va suivre concerne le sommaire de votre podcast. Merci de nous accorder votre attention. Des brèves insolites se situent à l'avant, au milieu et à l'arrière de l'appareil. En cas de sujet crado, vous devrez attacher votre ceinture. Il est strictement interdit de ne pas écouter le sujet sur les vendanges, et en cas de dépressurisation de vos oreilles, vous retrouverez un casque avec des lieux insolites et ésotériques de France. Au nom de toute la compagnie Sapristi Saucis, nous vous souhaitons un très agréable voyage. Là, bonjour bonjour. Euh, bonjour bonjour. Allez le gars, itérafe le premier mot. Comment ça va Fab Ça va très bien. Bon, moi aussi ça va très bien depuis que je suis allé le dentiste après que tu m'es cassé les dents euh, la semaine dernière parce que je parlais pas dans le micro. Oui, mais que ça ne se reproduise pas. Il vous, il vous reste deux chicots, il faut les garder cela. Oh oui, je les aime bien en plus, c'est mes chicots préférés. Mmh. Eh bien, joyeux 7 septembre. Bon, 7 septembre. La rentrée est là. La rentrée. <laughs> là, la rentrée là. Bah, ben, moi, je suis toujours à la classe, oh, ça va, tout est. T'as qui comme prof principal du coup ah, Madame Blanchard. Oh. j'aime pas trop. Euh... J'ai eu l'an dernier, oui, non. Euh... Ouais, j'ai déjà eu. Art ouais. Mais, mais c'est les bus aussi, ils sont toujours à la bourre. Avant, j'étais jetaient des bouts de crème, et maintenant, je des feutres. Oui, <laughs> et les brosses, là, pour essuyer les trucs, et nous snipe la tronche. Eh hein. <laughs> ben, en tout cas, on vous souhaite un très joli 7 septembre dans sa Saucisse. 6. Ouais. On espère que cette rentrée vous a plu, que vous allez bien, que vous avez la patate, quoi! La patate de septembre, que vous êtes bien reposé, bien bronzé. Oui. Après vos vacances, si vous avez la chance d'en prendre. Ce qui n'est pas le cas de tout le monde, vous savez. Ce n'est pas le cas de tout le monde. Parce qu'il y a qui tient la boutique pendant que vous êtes en train de vous dorer la pilule. Il faut tenir la crèmerie. Bah C'est ça. Bon, je vais reprendre quand même de bonnes habitudes. Le 7 septembre, qui est-ce qu'on fête? Je vous écoute, je ne sais pas. On fête les reines, les Gina, les Régines et les Roxane. Mais pas les reines Claude, les reines tout court. Non, on ne connaît pas des pour <laughs> de les reines Claude. Mais reine Gina, j'aime bien Gina aussi. Gina Lobrigida. Elle s'appelait pas Gina, la dame dans Commissaire Moulin J'ai pas vu Commissaire Moulin, alors je sais que ça existe. Hein, mais ou vu. dans les cordiers du flics. Ah Ah ça, en ah. revanche, on a vu <laughs> Elle agaçait mon père. Oui, <laughs> il s'en bien qu'il y avait un truc à faire. Oui, euh... qu'elle était feignante ou un truc comme ça non, elle râlait tout le temps, elle ne faisait rien. <laughs> ça casse <laughs> mon père. Euh, je suis, alors, je ne sais plus. Oui, euh, un, un prénom. Julia ou un truc comme ça. Oui. Un prénom italien. Ouais, un Et on embrasse d'ailleurs tout, bon, tout Pierre mondy Pierre qui, Mondi. Alors, Qui n'est plus en forme ça va Qui n'est plus là. Ah, bah. Mais très content que tu en parles. Parce que, bon, euh, il est réduit maintenant à, à, à Cordier, Jugé, flic pour les plus jeunes d'entre nous. Qui sont déjà pas tout ne sont déjà pas tout jeunes. Eh bien, Pierre Mondi, c'était un immense acteur en vrai, de vrai. C'était un, un génie. Alors, c'est pas que les cordiers mais avant ça, il a fait d'autres choses. Eh ben, en vrai, c'était un, un très grand, un très grand. Ah, un monsieur Un monsieur. C'était Monsieur Q, en vrai. Son prénom, c'est Monsieur Cuc. Ah bon Pierre Cuc. D'accord. Mondi, c'est bien. C'est bien ça. Mondi. Et euh, c'était Lucia, sa femme. Lucia. Ouais. Lucia. Euh, Qu'est-ce qu qu que je voulais vous dire Comment il s'appelle euh... Un, un, un dicton, quand même, ou pas Allez. Eh ben, en septembre, la bruine est toujours bonne à la vigne. Donc, en fait, j'ai le sentiment hein, que les trois quarts des dictons en France. Ça rapport à la météo déjà. Et au vin. Et au vin. La semaine dernière, on a terminé avec le dicton, c'était incompréhensible. Oui, 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 Je pense qu'ils étaient pétés les jours, les dictonneurs. là. Tout pour la rime, hein. c'est les psychiatres de la rime les gars. <laughs> le jeune de cité là Vous ne voyez pas, mais il a son jogging qui est remonté dans sa chaussette et. Euh... J'ai ma casquette cangole à l'envers. Et puis des Air Max. Sache qu'on rentre officiellement quand même, c'est juste une petite pointe comme ça de culture, que ouais. ce que ça ferait plus. Oh non. Officiellement dans l'été indien. On, on va tous devoir loucher pendant. Tu nous racontes. Mais on s'aimera encore. Avec la robe longue. Donc, oui, donc l'été indien, c'est officiellement maintenant que ça commence. Le 7 septembre. Tout non, le temps. En fait, c'est la, la, de... la première semaine de, de septembre. D'accord. Et en fait, normalement, ça ne pas du tout, du tout à l'Europe. En fait, nous, on appelle ça juste un euh, dérèglement climatique. Ouais. On appelle ça un septembre un peu doux, mais euh, c'est uniquement pour l'Amérique du Nord. Et en fait, c'est dû à un courant d'air. D'accord. Il y quelqu'un qui a une porte ou qui a mangé des flageolets voilà. la semaine dernière. Parce que je, je vais finir celle-ci. Oh bah oui. Et tant que je tiens le micro avant que vous me poussiez pour votre, votre premier sujet. Ah d'accord. Bon oh, d'accord. Je... Je, je, je commence. <laughs> savez, tout, personne n'a trouvé d'ailleurs notre imitation alors qu'elle est parfaite. Bah oui. Refaites là bah. un petit coup. Nicole Voyons. C'est ça que vous appelez un joint <laughs> Même si tu mets des mots-clés aussi. Bah. Autant que faire un scrabble <laughs> bah Je pars en crabe. Euh, j'ai inauguré une capsule, euh, les informations positives et insolites. Allez, ça je vous ressemble bien. C'est vrai, parce que je suis insolite. Mm -hmm. Est-ce que vous avez pas, j'ai quatre queues. Je suis positif. Hein. Et dedans. Pas oh, au coronavirus. Oh, vrai oh, vrai. oh là là. Oh, on devrait traîner ensemble un peu. Je pense. Sache que je, le vendeur de matelas Casper, pas le cuisinier à. C'était où ça C'était pas à saint jean du blafou à ah, saint jean du vous je crois bien. Ouais. Le, est à la recherche de dormeurs professionnels pour tester ces matelas. Donc, moi, je veux démissionner de mon <laughs> nouveau travail. Oh non. Bah, je sais pas si je vous ai dit je voulais de travail. Mais non. Mais non, je prends une disponibilité et puis je vais tester ça. Ça, je comptais payer 3500 balles par mois ouais. pour euh, dormir toute la journée. J'en connais qui, qui s'entraînent. <laughs> vous avez votre choix Alors, par contre, je tiens à préciser quand même que si c'est aussi cher payé pour un truc qui paraît si simple, c'est qu'il y a un loup. En mon avis, c'est juste de la promo. Oui, il faut des escars peut-être. Ou... On parlerait pas de Casper s'il y avait. Euh... Parce que c'est un petit fantôme. Ah oui. Casper, le petit fantôme. fantôme. Et... Et, euh... Et deuxième euh, information, alors ni positive mais insolite, mais j'ai envie de dire cocorico, mm -hmm. comme disent les jeunes. Connais-tu l'entreprise, la seule entreprise française qui est habilitée à envoyer de la nourriture euh, de la boîte de conserve dans l'espace là il euh, euh, y a un Ducasse qui le fait, mais. Ouais, euh... mais il, il, il Ducasse tout seul, il peut pas le faire. Il faut qu'il soit adossé à une, une entreprise. Comme connu, ça, là. Qui est, qu est connue comme oh ça. Oh là là. Non. Et pour la viande. Les légumes, ah je non. sais pas. C'est la seule entreprise française. La viande en conserve. Ouais. Oh, bon vous y êtes, là. c'est pas William Saurin. Parce que imaginez, si tout le monde du cassoulet dans l'ISS, <laughs> on n'est pas dans la merde. <laughs> On aura un sujet là-dessus tout à l'heure. <laughs> <laughs> euh... Thomas Pesquet qui fait pas au on aurait un sujet à <laughs> tout à l'heure. Avec... Elle, elle est filistérienne, figurez-vous. Monique Ranou. Non. <laughs> ENAF Ah d'accord. C'est la seule viande française qui est autorisée à, envoyer, enfin, à être envoyée dans l'ISS. Ouais. Et en fait, c'est ont... un travail qui a été mené en collaboration avec le CNES, mmh. le Centre national d'études spatiales, basé à Plevoir-Baudou, <laughs> à Toulouse. Et le but est d'offrir à, à des scientifiques confinés quand même pendant plus de six mois. Tu fais pas un aller-retour quand la journée. Euh... Enfin, ouvres une boîte de pâté là-haut, l'odeur reste longtemps. Hein. C'est vrai. Mais ENAF se targue de pouvoir offrir un petit peu de confort et un petit peu de Bretagne et de plaisir gustatif qui changera un petit peu des produits lefilisés américains ou russes. Entre parenthèses. Bah, depuis Jean-Luc Chrétien, il n'y a pas eu un seul breton euh, là-haut. Il hein. était breton ouais. bah, Les menhirs, c'est lourd aussi. <laughs> Je joue du bignou toute la journée. Tout dans un ticket pour l'espace il y a Swazik qui est bretonne <laughs> il mange des galettes il mange des galettes fait... <laughs> et <qu> il fait <laughs> oh j'aurais bien le revoir celui-là de ces quatre j'aime beaucoup ce film et eh ben, on va commencer avec euh... tout l'été je t'ai fait un jeu d'actu en... en rapport avec euh, l'actualité locale là on va le faire un peu différemment ouais. c'est à dire qu'il s'est passé des faits un petit peu insolites tout le mois d'août et tu vas te voir je vais te donner quelques te guider tu vas me dire ce qu'il s'est qu passé d'accord à l'inverse de ma grand-mère tu dis pas out j'ai dit quoi, août Ma grand à Août. Ma grand-mère disait août et juillet. Le 15 août. Non, août, je dis août. Okay. Oui. Non, c'est une information. Euh, Il le précis. Non, enfin. mais c'est bien. Non, mais oui. Un Indonésien s'est ouais. pris un petit McDo. Tranquilou bilou. Tu connais l'info. Ça lui a coûté le, cher je te vois, Ça lui a coûté 2000 dollars. Je me doutais, tu allais avoir l'info. Pourquoi Alors, je ne sais pas pourquoi, par contre. Je sais qu'il y a une sorte d'aéroport C'est ça. Euh, je, te, je vais te, te donner son, son menu. Il s'est pris des muffins, je crois, et avec deux muffins et un croissant jambon. Donc personne n'aime les croque-mcdo ici. Il n'y a pas de croque-mcdo. <laughs> et euh, le tout, ça lui coûtait 2000 dollars. Euh, un voyageur indonésien arrivant en Australie. Ah Parce qu'il a voyagé avec alors qu'il n'avait pas le droit. Ouais, mais pourquoi Pourquoi tu n'as pas le droit d'avoir ta bouffe Ah, parce qu'Australie, ils sont un peu chelous que la quarantaine, non Ouais, il y a de ça. Développe. Euh... Parce qu'ils ont pas envie que des croissants sauvages se retrouvent. Euh... <laughs> bon, je vous accorde la bonne. Allez, on faire un petit bling. Ça fait longtemps. Allez, accorde la bonne réponse. Un voyageur arrivant en Australie depuis l'Indonésie s'est vu infliger une, une... une infligée, déjà une amende de vertigineuse. À Paris, a été surpris avec deux McMuffins et un croissant jambon dans son sac à dos par les gardes frontières. Rien à voir avec la flambée des prix qu'on retrouve partout. Euh, mais plutôt avec le résultat de la politique très stricte de l'Australie en matière de biosécurité. D'accord. Le chien renifleur, Zinta, une <laughs> chienne, n'a en effet pas tardé à flairer les sandwiches transportés clandestinement à l'aéroport de Darwin. L'Australie dispose d'une législation drastique destinée à protéger euh, l'importante industrie agricole du pays, c'est à peu près leur ressource d'ailleurs, oui. contre euh, d'éventuels parasites ou maladies. Les autorités australiennes sont actuellement en état d'alerte après l'apparition d'un foyer de fièvre afteuse en Indonésie et toutes les importations de viande en provenance de ce pays font l'objet d'un contrôle. D'accord. Alors, cette maladie ne présente aucun risque pour l'homme, mais reste une maladie virale grave et contagieuse pour le bétail. D'un montant de 2664 dollars australiens, euh, équivaut à 567 McMuffin <laughs> à Sydney euh, ou plusieurs allers-retours pour Bali. Mais pourquoi plus, ils ont pas pu juste confisquer et euh... Si, si j'en parle, ça faut que ce soit exemplaire pour que personne d'autre le fasse. D'accord, parce qu'ils auraient pu dire bah non, poubelle, et puis voilà. C'est un amendé exemplaire. Les Australiens, ils déconnent pas avec les quarantaines, trucs comme ça. C'était des animaux, trucs comme ça, pareil. Hein. Deuxième info. Pourquoi est-ce qu'on parle beaucoup de Jean-Claude Van Damme en ce moment Est-ce que je peux avoir un indice en bas de chez moi ou pas Il recommence à tourner Non, en fait, c'est. Euh... On a tous vu des extraits au moins d'un vieux reportage sur TF6. C'est-à-dire, si c'est vieux. Oui, je me souviens. En 2010. Il avait prédit Netflix. Ah, peut-être, mais c'est pas ça. Une autre prédiction. Plus triste. Ah, il avait prédit le Covid Non. Mais en fait, c'est un extrait où il partait dans tous les sens. Un peu comme on fait, il digresse beaucoup. Oui. Il parle d'un sujet, puis il part sur autre chose. D'une émission, il des colonnes derrière lui, un truc comme ça. Là, il est dans une salle de. Peut-être chez lui, dans sa salle de sport à lui, avec son coach. Ouais. Et non, tu te souviens plus trop Non. Son coach, lui. Il est en train de parler, euh, il adore le sport, euh, tout ça. Et puis son coach lui apporte une bouteille d'eau et puis il, il descend la bouteille d'eau ah, comme ça. Ah, l'eau c'est génial. Et euh, il, il a une, cette sortie qui, est, qui a beaucoup fait à l'époque mais qui est très vraie aujourd'hui. Il descend sa bouteille. J'adore l'eau. Dans 20-30 ans, il n'y aura plus. Et là, limite, elle les yeux aux larmes, puis mmh. un sujet très sérieux. Puis il part sur les kangourous. Oui. <laughs> bah, euh, oui, ça me dit quelque chose. Euh, dans votre 30 ans, il n'y aura plus. Mmh que des gens qui s'étaient moqués de lui, oui. Oui, à l'époque, mais tout, tout le monde est... En fait, plus ça va, plus il... on recolle les cases et il a plus ou moins raison sur quasiment coup. tout. Et donc oui, ça, en ce moment, ça fait, euh, ça fait le, le buzz. Sur Twitter, top tweet, Jean-Claude Van Damme avait raison. Depuis les euh, débuts. Je... Euh, C'était il y a 12 ans. Voilà. Il parlait déjà de la possibilité d'une pénurie d'eau. On était en plein dedans au mois d'août. Oui. Euh, on sait que ça va revenir tous les... quasiment tous les ans maintenant. T'as quand même arrosé tes bégonias, toi je lavais la bagnole, <laughs> bah tous les matins. <laughs> et euh, bah, dans le même délire, il y a une émission où il parle, euh, je, crois, je crois que c'est Chardisson en vrai, et euh, il dit qu'un jour, de toute façon, on n'aura plus que cette vidéo truc comme ça, on nous enverra des petits disques par la poste, et euh, mm -hmm. il avait plus ou moins pris mm -hmm. des Netflix. Bah, euh, Netflix, c'était ça au début, c'était oui. CD par la Poste. Ouais. peut-être que ça existait déjà aux États-Unis. Ah, peut-être que vous ne connaissez pas. que ça existe depuis 97-98, Netflix, ouais. euh, version CD. Oui. Donc euh, peut-être qu'il a juste voyagé aux États-Unis. <laughs> Salopard. Euh, troisième et dernière petite euh, info le Premier ministre de l'Ontario, au Canada, ouais. il aurait a rêvé une bricole récemment, enfin au mois d'août, pendant un, un petit speak, un petit. Euh, petit euh, quelque chose à une tribune il a dit un truc non il a fait un truc on lui a subi, fait a, un truc il a subi un truc il s'est pris un truc dans la tronche il s'est fait entarter non il s'est fait d'érableiser non euh... on l'a on l'a frappé non il l'a frappé quelqu'un ça aurait pu mal se passer mais ça s'est bien passé il a dit un truc qu'il ne fallait pas dire lui il est dans, dans l'histoire il, il a juste subi lui il a subi il y a un truc qui s'est effondré son micro marchait plus. Donc voilà, il était à un pupitre. Ouais. Dehors. Il s'est mis à pleuvoir Non. Il s'est mis à neiger Non. Il y a des animaux. Ça, ça a rapport avec. un, il y a un animal à... qui s'est ramené, genre un ours blanc, un ours brun Non. Un caribou Non. Est on n'est pas, un... pas dans le Québec, dans le cliché animal du Québec. D'accord. Ça n'a pas, a pas de rapport ça. avec le fait que ce soit que ce soit canadien. Ça aurait pu se passer n'importe où. Des... C'est une phobie de, de, des personnes qu'on connaît. Des guêpes Une attaque de guêpes il s'est fait attaquer par des frelons. Et pendant qu'il parlait, il a avalé une guêpe. Une abeille lui est rentrée dans la bouche. Oh. Il l'a avalée. Ça ne s'avale pas. Mais bah non, mais il n'a pas fait exprès. Ah oui, mais bah ça, ça pique pas les abeilles. Doug Ford, Premier ministre de l'Ontario au Canada, a gardé son sang-froid jusqu'au bout lorsqu'il a été interrompu durant sa conférence de presse en avalant une abeille. Il a même ri après l'incident, parce que je pense nous rire de nerveusement. Aussi. Oui. <rire> il a bu quelques gorgées d'eau pour tenter de déloger l'insecte. Sa gueule, elle est coincée dans ma gorge. Non, oui, il parlait anglais. <rire> <rire> elle est coincée dans ma gorge, a-t-il lâché, devant... lâché devant les deux journalistes Tout en continuant de répondre aux questions. Mais en quittant le pupitre, il n'a pas caché son inquiétude, indiquant que la secte était en train de bourdonner à l'intérieur. Il, a... il sentait bourdonner à l'intérieur. Ce qui l'a amené à se rendre à l'hôpital, selon le média canadien CBC. Si ce podcast peut être utile, oui. si on peut sauver une vie, la bonne attitude en cas de piqûre. Ah, boire de l'eau de Javel <laughs> ah, bah là, elle ne fait pas la fière, l'abeille. Moi, je vous le dis. Que faire lorsque l'on avale malencontreusement une abeille Selon euh, des confrères, si la piqûre est suivie d'une détresse respiratoire, il faut immédiatement appeler le 15. Bon, jusque-là. c'est un glaçon ou une glace peut s'avérer utile quand je dis depuis le début que la glace est un médicament. Ça sert à quoi Ben. Je vous le Cela permet de diminuer la formation d'un éventuel œdème. Ah en fait. Euh, mais c'est si tu te fais piquer ça. Ça c'est euh, trouvé sur le site de la sécurité sociale. Ah. Pas de panique non plus si l'abeille ou la guêpe descend un peu plus loin dans le tube digestif. Elle sera vraisemblablement tuée par l'acide l'acidité de l'estomac. Pas sur le coup, je pense, mais pour prévenir tout désagrément, les médecins recommandent de boire une canette ou un verre avec une paille, la plupart des insectes sont avalés lorsqu'ils se noient dans un liquide sucré. Ah oui, d'accord. Voilà. Donc voilà les choses à faire. Encore une fois, si dans le futur euh, des auditeurs ont, ont retenu ça et qu'on sauve une vie, moi je suis plus content de, euh, le oui. de la planète. Puis au pire, s'ils sont morts parce qu'ils n'ont pas écouté, ils reviennent depuis l'au-delà nous de dire qu'ils auraient dû nous écouter. Exactement. Je ne me suis pas compris moi-même, mais. Euh... On a compris le sens. <laughs> Septembre. C'est le mois de vendange. <laughs> je ne vais pas m'aventurer plus loin parce qu'on a reçu beaucoup de plaintes de moi qui chante. On s'est engagé à plus chanter pendant un an. Ah, tout. Moi, oui, toi, non. Si. cest juste que c'est, une vendange Alors À mon avis, c'est pas ça Rien à boire avec la vigne Ah, si, 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 complètement. Ah, si, 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 si. d'accord. C'est la récolte du raisin. Oui. Mais uniquement le raisin. Qui Pas pour euh, en fruit de table. Non, il s'appelle ça, exactement, les raisins de table. Et sur un tabouret Non, sur une table. Non, sur vous plaît. une table. Tu t'assois sur le raisin après. Twitch. <laughs> <laughs> Et puis près de s'étacher. Donc le terme s'emploie au pluriel pour désigner l'époque de cette opération, le temps des vendanges. Une vendange, ça n'existe pas. Ah oui. Oui. Mais il y a ah des mots vrai, comme que ça, ça qui J'ai les... fait les vendanges. Oui. T'as fait les vendanges toi Non, non, mais on dit j'ai fait les vendanges. Toi, t'as fait les vendanges. Une fois. Ouais. Pas un bon souvenir. Ah bon ouais, Tu travailles... Tu euh... ouais, travail agricole. Ses mains ne travaillent pas. Mais <laughs> t'es je... payé en pâté et en verre de vin. Ça, c'était bien, par contre. <laughs> Je vais juste te dire qu'on m'a laissé pendant une semaine avec des, des instruments coupants et longs dans les mains. Quand on connaît vos, votre, votre adresse, qui est 55 Rue. <laughs> <laughs> je ne savais pas comment y aller, mais je me suis presque pas fait mal. Un peu quand même pour le principe, hein, mais. Euh... <laughs> Volontairement comme ça. Je vous rappelle quand même que j'ai piloté un avion. donc je... Vous êtes pilote de ligne, on <laughs> peut <à> rappeler. Fait. <laughs> donc autant vous dire que je ne suis pas maladroit vu qu'on m'a confié un avion à plusieurs oui. milliers d'euros. Oui. Avec le plein. Non, mais... <laughs> J'ai vraiment volé... Oui, c'est vrai Il n'y a pas eu de mort. Enfin, il y a eu un mort, mais euh, ça va. Euh, il a de... la, cette vache n'avait pas qu'à se trouver sur la piste d'atterrissage. <laughs> vous. <Voilà>. Bref. <laughs> en tout cas, sachez qu'en 2023, quasiment du jamais vu. Mmh. Quasi. Quasi. Donc les, les, les vendanges, souvent, c'est mi-septembre. début septembre, mi-septembre, oui. mi par là. Eh ben dans le muscadet, ça a commencé le 23 août, rapport à une histoire de... Il faisait un peu plus chaud cet été, trucs comme ça. Et visiblement, la météo euh, globalement française de l'année provoquera une année, comment ils appellent ça, que je dis le bon mot Anthologique. D'accord. C'est-à-dire que c'est les années euh, au taupes. Pour ça le vin. sera euh, L'année, euh, donc le cru 2023... Euh, non, 22. Deux. Coup, Deux. La récolte... De 22, donc ce sera. 2022. Je... 20... Ah, mais je sais pas si c'est 22 ou 23, du coup. Aucune idée. En 20... Ce sera une belle année. Ce sera ah, une là. belle année, en tout oh, cas. par ordonne... oh, Donnez-moi un 2022. Oh, bah, je oh bah, vois, ça va, une patate de au four. four. <laughs> voilà. On se moque de moi ici, de toute façon. En tout cas, donc toute la profession, <laughs> regardez-le, toute la profession s'accorde à dire que ce sera un vin d'une très grande facture. <laughs> La contre c'est après. Quand... Hey, hey, hey. Par contre, tu n'auras pas beaucoup. Rapport, ah bah oui. il a fait froid en avril, donc ce sera très cher. Voilà. S'il est bon et ouais. peu répandu, ce sera cher. Il, il nous je ne suis pas analyste financier, hein, mais euh... il nous prépare beaucoup à l'avance tout de toute façon. Oui. Et parce qu'il parle en fait d'une euh, récolte 25 inférieure à d'habitude. D'accord. Donc, je n'ai pas les chiffres sous les yeux, mais ça fait à peu près un quart, et euh, bah, ça ne fait pas beaucoup. Qu'est-ce qui va bien avec le vin le fromage. Oh euh, Est-ce que pour autant c'est euh, un sujet qui va être euh, récurrent Je ne sais pas. Autant la capsule d'informations informa positive, oui. Ouais. Mais là, je vais te donner 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 fromages. Ouais. Un seul a été inventé par mon esprit tordu. Sera, <laughs> tu veux dire lequel c'est D'accord. Est-ce que ça te dirait que ce soit un truc euh, régulier ah mais bah carrément. Okay, surtout ça, à ça. chaque fois je... enfin, as dû faire deux, trois jeux de ce genre, j'ai toujours perdu parce que vous êtes inventif. Hein. Ah bah ça. Le premier fromage, le pigouille, qui vient de Poitou-Charente. Euh, apparemment, ça, ça... ils n'ont jamais vraiment trouvé pourquoi ça s'appelle Pigouille. Rien à voir avec un lapin. Pigouille hein. euh, le... <laughs> Pas par là, c'est de Mais ça vient d'une commune qui s'appelle Maran. Donc est-ce qu'il y a un rapport euh... Entre Pigouille et Maran Ouais. Ils sont, marrants à Pigou ils sont marrants, donc du coup, ils font un fromage qui s'appelle la pigouille. D'accord. Est-ce que le fromage, c'est le claque bitouf Ce sera un fromage de Saône-et-Loire. Un nom qui défonce, un fromage qui ressemble à rien. Bref, un super fromage. Est-ce que c'est un fromage qui s'appelle la boule des moines mmh. de Lyon Est-ce que vraiment j'ai besoin de préciser euh... C'est tellement probable que c'est peut-être celui-là. Est-ce que c'est le crottin de Chavignol parce que c'est rigolo, le crottin, ça fait crotte. Oui, euh, ça existe, il est connu. Est-ce que c'est un fromage qui vient de la crue, ça s'appelle le croustipiote mmh. On dirait que c'est moi qui l'ai inventé, mais non. C'est un fromage qui est un mélange de brebis et de vaches et qui a fini dans le foin. Hein. Vos croustypiotes. Non, ne me mange pas. pas, pas. Est-ce que c'est la sourilette de la lozère On dirait un peu le nom d'un oiseau, mais c'est pas grave, c'est comme ça, c'est pas la galinette, c'est mmh. la sourilette est-ce que c'est le chabichou des Poitou-Charentes ben, Je l'avoue. Donc, c'est un fromage, euh, l'héritage des Sarrasins vaincus à Poitiers par Charles Martel. Est-ce que c'est le cacouillard, donc de Franche-Côté Un fromage de vache qui y poque un peu. Ouais. Ou est-ce qu'enfin, c'est le tu de Corse ah. Un fromage qui est impronononçable, c'est pour ça que ça n'a jamais venu jusque sur le continent. Moi, j'ai envie de dire Pigouille. Donc, je vous les résume tous quand même. Bigouille, claque, bitouf, boule des moines, crottin de chavignol, croustipiote, foudjouf. J'ai dit foudjouf Non, peut je crois pas, pas dit foudjouf. Donc le foudjouf. Bon bah vous savez que c'est pas celui-là toujours. je voudrais pas oublier pro mon propre fromage. Donc toute la colère paysanne résumée dans un fromage. Oh foudjouf. Oh. Euh, Souriellette du Feidouf, Chabichou, cacouillard, ou Muntuglug du. du tu l'avais dit aussi. Oui. D'accord. Un oiseau. Ah oui. Pigouille Bon bah, je pense à la boule des moines alors. Ah non, parce qu'il paraissait probable. Alors le deuxième, c'est euh, Le claque bitou <laughs> Alors lui Il existe Il existe. C'est un fromage de... qui est de la fromagerie de Genelard en Saône-et-Loire. Bon bah, le troisième La boule des moines bah, non, Le croutin de Chavignol. Ça, il existe. Le foudjou Oui, mais il existe. Le, le croustipiote Il n'existe pas. Le croustipiote est une invention de mon... Non, c'est ce qui me fait rire, c'est que le claque bitou existait. <laughs> oui. Ah, pigouille aussi. Alors pigouille, pigouille ça ouais. inventer, mais... ils savent pas d'où ça vient. Euh, c'est peut-être tout ce qui est oui Souvent, c'est souvent un mot d'argot. D'accord. Mmh. Des ouille. nouilles. Euh, une ratatouille. Une euh, ratatouille, oui. Des nouilles. Oui, encore. Oui. Mmh, mm. Ah, des nouilles. Il y, y a des nouilles aussi. On va changer de sujet. On va faire un, un truc bien classe qui s'appelle le sujet pipi caproute je sais que ça, ça ne vous fait rire, personne ça, ici. Vous Moi, je suis adulte. On commence par une euh, petite question personnelle. Oui, je suis aux toilettes aujourd'hui. Merci. C'est pas ça ma question. Est-ce que vous Oui, je vais aux toilettes. Vous oui. pratiquez la plage Est-ce que vous vous baignez Oui. Souvent Non. Non. Enfin, en fait, les moments où je vais à la mer, c'est les moments où on peut pas se baigner, en fait, parce qu'il fait froid. Parce que je vais pas en été, parce qu'il y a des touristes. Ah, et du coup, vous vous baignez jamais Rarement. Rarement. Et quand je, vous baignez, est-ce que vous faites pipi dans l'eau ça peut m'arriver. Pas à la piscine. Pas à la piscine. Et on vous en remercie. Parce <laughs> que les gens qui boivent la tasse après, je... <laughs> ils mon pipi. Non. Non, pas de pipi dans l'eau Enfin... Dans ça doit m'arriver, mais c'est pas... Oh. Eh bien, vous faites partie d'une minorité. Parce que toi, par exemple... Ah bah, oui. C'est presque systématique, en plus. Ah oui Soit ça déclenche l'envie de pipi, même, parfois. Et numéro 2 aussi, ou pas Ah non. J'ai pas les chiffres <laughs> du, du popo oui, puis... En part, il un sujet. Ah, mais je vous dis, il y a tout le sujet, c'est <laughs> le thème aujourd'hui. Euh, c'est une pratique observée chez 62% des vacanciers, et on pense que les 38% autres pourcents sont des menteurs qui n'osent pas l'avouer. Ah, mais les poissons, ils vont... Bon. Eh ben non, justement. Ils aiment bien. <laughs> vous, vous faites bien d'ouvrir ce sujet, car je vais vous répondre, même Chabot. <laughs> Dites-moi tout-tout. Cette habitude anodine, et je sais, en plus je vais vous parler de ce sujet parce que c'est un endroit que vous connaissez bien, ou même que vos parents connaissent bien, à Vigo. Ah oui, c'est interdit désormais de faire pipi dans l'eau, tu peux avoir une amende. Uniquement à Vigo. Mais comment ils font pour vérifier Ah bah ça, il euh, y a peut-être des, des, des hommes grenouilles en dessous avec, euh, qui regardent. Il y a je un sais courant d'air chaud. Et donc c'est désormais puni par la loi dans la commune de Vigo, au nord-ouest de l'Espagne, pour des raisons sanitaires quiconque urinera sur la plage ou dans la mer écopera d'une amende pouvant aller jusqu'à 750 euros. Cette mesure, qui avait déjà été adoptée dans la région de Murcie, au, au sud-est de l'Espagne, s'accompagne de nouvelles réglementations, comme l'interdiction d'utiliser les savons sur la plage ou euh, dans les douches situées aux abords, ainsi qu'une augmentation des amendes pour les déchets abandonnés sur place. Ça, ça, oui, ça on est d'accord. Mais le pipou... Pour ruiner, les touristes n'auront qu'à se rendre sur les nombreuses euh, toilettes publiques qui vont être installées à proximité des zones de baignade, en plus de celles déjà présentes euh, dans, les stations, dans la station balnéaire. Reste à savoir comment les autorités se débrouilleront pour épingler les malotrus, bah oui qui, qui ont décidé de, de contourner cet interdit. À la, à la question, est-ce nocif de faire pipi dans la mer Oui. La réponse est non. Bah oui. Lorraine Wolf, une ingénieure et éditrice... Euh, pour le site Chemical and Engineering News, affirme qu'uriner dans l'eau n'a rien de grave, ni pour l'océan, ni pour les baigneurs. D'accord. En effet, bon, l'urine est composée à 95% d'eau, okay. ainsi que de composants jugés non dangereux, excepté l'urée, qui provient du foie, euh, qui pourrait altérer la qualité de l'eau, mais sûrement pas en si petite quantité. D'après l'ingénieur, L'urine pourrait même être bonne pour nos océans grâce à sa teneur en azote qui, lorsqu'elle entre en contact avec les molécules d'eau, forme de l'ammonium, une substance précieuse pour les plantes sous-marines. Donc, wow, euh, on vous encourage presque à faire pipi dans l'eau. Tous des gros pisseurs, c'est tout. Et cool. si, tu, si ça te fait culpabiliser de, de faire pipi dans l'eau, sache qu'une baleine produit 970 litres de pipi par jour. Mais elle va pas sortir pour l'eau, va terse. La caille, elle est 750 balles, la baleine. <laughs> euh, ça représente grosso modo 8 baignoires de pipi, pour te rendre... Oh, J'espère que c'est passé pas ça un de bain matin. Hein. miam, miam. Lorraine... Ah, pour toi, si tu veux. <laughs> Lorraine bon affirme bon que si, par un grand concours de circonstances, si l'humanité entière faisait pipi en même temps dans l'océan, ouais. la proportion serait encore trop faible pour entraîner quelconque conséquence néfaste sur le monde marin. D'accord. Sachez, monsieur j'ai, qu'en revanche, uriné comme vous le dites, dans la piscine ou dans un jacuzzi, ça, en vrai, non, en plus d'être dégueulasse, c'est potentiellement dangereux pour la santé. Au contact du chlore, l'urine forme de, du chlorure de cyanogène, ainsi que du, tri, euh, du trichloramine, ce qui provoque des irritations, voire des crises d'asthme. Et est-ce que tu savais que c'est ça qu'on sent. Euh, c'est ça qu'on sent. Euh, c'est pas le chlore qu'on sent à la piscine Il y a vraiment des gens qui font pipi, ça veut dire bah oui. Ça alors Bah, on ne serait-ce que les bébés. Et en fait, c'est. Euh, c'est ce mélange de d'urine et de euh, nitrite d'ammonium, là J'ai déjà dû évacuer une piscine parce qu'il y avait une, je sais plus, une personne âgée ou, qui avait fait le numéro 2 dans la piscine. Il fallait que tout le monde sorte pour qu'elle euh, qu ait été fermée la journée parce qu'ils ont tout refiltré l'eau. Euh. T'es maître nageur Pourquoi bah, T'as dit « j'ai dû évacuer la piscine bah, » on, on a on a été évacués de la piscine. Ah, j'ai cru que t'étais la personne qui évacuait les gens. Non, non, non. On, a, on ah, nous, oui. nous a tous évacués de la piscine parce que je, personne qui s'est qui euh, oublié. Qui voilà, et donc ça prend euh, une demi-journée, je crois, pour refiltrer bah intégralement tout l'eau, je crois. Bah, bravo, madame. Nous parlions tout à l'heure de l'espace, et je crois que tu en as un petit peu parlé aussi. Dans l'espace, ouais. les proutes, oui, mais les rocs, ah non. Ah oui. Ça, je crois que tu en as parlé un petit peu. Oui. Si tu as déjà vu Alien, tu sais probablement que dans l'espace, personne ne t'entend crier. Oui. Déjà parce que tu ne peux pas créer dans l'espace. Et euh, la théorie qui fait qu'il qu qu n'y a aucun bruit est vraie, puisqu'il n'y a pas d'air. Rien, rien, a, rien qui ça. peut vibrer, du Exactement. coup, pas de son. Pour que les ondes se diffusent, il faut un environnement, des molécules à pressuriser, à dépressuriser. Plus le milieu est dense, plus les ondes vont vite, les ondes des cordes vocales, oui. euh, des tympans, tout ça. C'est pour ça que le son est, par exemple, 5 fois plus rapide dans l'eau que dans l'air. On est d'accord. Mais dans l'espace sans atmosphère, il n'y a tout simplement pas de milieu pour que ces ondes se diffusent. Pas de matière. En tout cas, pas assez pour que qu'un message sonore soit euh, un changement de pression dans l'air. Résultat, pas d'air, pas de matière, pas de matière, pas de pression, pas de pression. Pas de palais. Pas de bruit. Ah, c'est pas pour ça que je sais, Et si on ne vous entend pas crier, on ne vous entendra pas non plus rôter, sachez-le. Et... Et techniquement, tu peux essayer, mais tu risques de tout sortir d'un coup. Ce que j'allais dire, si tu tu veux Il n'y a pas de gravité. Sur Terre, Tu, en fait, la conséquence du rot, c'est que c'est la gravité. Ce que tu as dans ton bol se tasse et tu as de l'air qui remonte. Dans l'espace, dans ton estomac, En fait, tout flotte. Donc si tu as la sensation de. un petit rototo qui vient, et tu as tout qui va venir. Con, Alors que devient l'air qu'on a dans l'estomac si on ne peut pas l'évacuer par le haut tu veux dire qu'ils ont un système de propulsion Tu ne crois pas si bien dire. J'ai halluciné en lisant ça. Bon, t'as as deviné, on peut l'évacuer autrement. Ah, bah, il n'y a, y a qu'une entrée, qu'une sortie, excusez-moi. On hein. pense tout de suite à Thomas Pesquet, qu'on embrasse. <laughs> et si t'es en train d'imaginer euh, Thomas Pesquet, tu en train de faire un Man en se propulsant. En euh, prout. Ben. Sachez qu'ils ont essayé. Alors, pas Thomas Pesquet. Enfin, il le dit pas. Oui. Euh, Mais. connaissant l'engin. Euh, J'ai le nom quelque part. Christ euh, Alfield. Alfield. Ah, ouais, tu connais. Lui, il a essayé. Eh bien, sache que ça marche pas. On ils ont été très déçus, mais ils n'ont pas réussi à se propulser avec... Euh, Chris Asfield, euh, une fois qu'on l'invite. Ah oui, c'est un copain mmh. Mais est-ce que c'est omnidirectionnel Le prou c'est pas un faisceau... Euh... Enfin, je suis pas proutologue, hein, mais... Euh... Oh bah, vous avez bien posé le sujet, c'est ce que... <rire> Alors <laughs> C'est pas, pas, pas directionnel, c'est diffusé. Mmh. Et, puis merci Et pour si les voisins. sachez que si ça arrive dans, dans une combinaison, par exemple lors d'une mission à l'extérieur, eh ben c'est impossible de s'asphyxier avec ses propres gaz, puisqu'il y a une petite séparation en cas de... Ah, ils ont vraiment pensé à tout, quoi. Alors, c'est pas le but premier, mais si jamais tu te perces un petit peu ta combinaison, ouais. et eh ben tu as quand même de, de, de l'air, tu as une petite, euh, petite cloison en je sais pas quoi là, ouais. et donc tu peux pas t'asphyxier avec tes, ton propre paix, ce qui est bien, parce que sur ta stèle, euh, en bas, il est mort parce qu'il a pété... <laughs> oui. euh... Quoi que, enfin, mourir dans l'espace, peu importe là, pourquoi... Euh... En plus, ce serait dommage de, de mourir euh, comme ça alors que tu as réussi à un alunissage. Enfin, je veux dire le ratio risque. Ah oui Mourir à cause d'un par rapport à... Oui. Sachant que la mission d'alunissage est super dangereuse. C'est vrai. D'ailleurs, ça me fait penser que la semaine dernière, il y a un astronaute russe qui a dû rentrer en catastrophe euh, dans l'ISS parce que sa combinaison fuitait. Ah, t'en as parlé aussi, ça, non Non, c'est la semaine dernière. Ah, d'accord. Et, euh, et en gros, les gens, ils m'ont dit bah, « Ben ça, t'étais pas trop inquiet ?» bon. Genre le gars, oh. Bon, j'avais déjà aussi parlé dans la saison dernière que tout ce qui est liquide, d'abord même l'urine, est recyclé pour être utilisé euh, comme eau. Comme eau, ouais. À boire ou toilette ou peu importe, enfin faire sa toilette, pas les toilettes. Oui. Euh, sache que si. Tu peux pleurer aussi là-haut, mais sache que les larmes ne, ne roulent pas sur les joues. Elles forment des petites bulles d'eau qui s'en vont, qui flotteront jusqu'à ce qu'elles rentrent en contact avec quelque chose. Et enfin, quant au dentifrice, il n'est pas recyclé, mais avalé. L'astronaute ne recrache pas. Trop dangereux pour la sécurité de la station. Tu savais ça Je savais qu'ils évitaient le plus possible. Même de transpirer, c'est compliqué. Un petit dernier. Si je te dis euh, le wombat, est-ce que tu. Un animal, c'est qui Ah, qui fait des caca-carrés. Des caca Exactement, des caca-cubes. Des, caca des popo-carrés. Comme des épéricubes, mais. Euh... Euh... Est-ce qu'il y a des blagues quand tu es déplacé <laughs> des, des devinettes <laughs> Oui. Le wombat fait des, des caca en forme de, de cube. Ça a été un grand mystère pendant, bah oui. depuis, euh, depuis que le monde est monde. C'est un grand mystère de la nature et ça a été résolu depuis 2018. Il y a des gens qui, scientifiques qui sont penchés dessus. Ouais, ils tassent avec ses petites pattes. Oh bah ah non, non, c'est à l'intérieur, ça se forme euh, comme à l'usine. Clac, avec une... Euh, a une mandoline. <laughs> Alors, le combat pour ceux qui... Déjà tapé euh, si vous n'êtes pas au volant, <laughs> tapez sur Google, <laughs> voir à quoi ça ressemble si vous ne connaissez pas. Originaire des forêts montagneuses d'Australie, oui. ce petit mammifère poilu appartenant à la famille des marsupiaux est le seul animal au monde à faire des excréments de cette forme si particulière. Et récemment, enfin en 2018, des scientifiques avaient déjà tenté d'expliquer cette curieuse spécificité. On ouais. pensait d'abord que leurs excréments prenaient cette forme juste avant d'être expulsés de l'intestin, mais l'étude incomplète n'est pas parvenue à aboutir à des conclusions fiables. Mais ça, c'était avant. Une nouvelle étude publiée dans la revue scientifique Soft Matter a permis d'élucider le mystère. D'après elle, les parois intestinales de l'animal seraient responsables de cette transformation en raison de leur capacité à se contracter. De fait, les chercheurs ont réalisé que les couches musculaires et tissulaires des intestins, ils ont dû passer une belle journée, des <laughs> marsupiaux étaient inégales. Certaines zones sont rigides, d'autres souples. D'accord. En se contractant de façon rythmique, <laughs> les zones rigides produiraient des arêtes de cubes, les zones souples, elles, façonneraient les côtés. Des excréments, tout ce processus couplé au dessèchement des aliments en digestion, les petites crottes de Wombatt sont trois fois plus sèches que celles des êtres humains. Et serait à l'origine de la forme cubique des extrêmements de l'animal. Et ben voilà, pas non plus faire euh, tout un, un laïus sur les crottes de wombat. Bah, Mais pas, moi j'ai appris en, déjà l'existence du wombat et des apéricrottes. pouvez avoir les apéricubes ce soir, allez, ça va donner envie. C'est vrai. Oui. En parlant de caca et de montée des choses, il faudrait que le pro de la transition. Quand même. <laughs> euh, comme tout le monde l'a écouté, le sapricis aussi Summer Tour. Mon rôle consistait euh, beaucoup à, à montrer des, des, des lieux insolites, des, des endroits sympathiques pour découvrir notre beau pays aux mille Hexagones. <laughs> Je me lance tout, j'ai fait un AVC. Voilà. Au euh, quatre du fromage. Aucun... <laughs> et euh, aujourd'hui, tu parlais de complot euh, la semaine dernière. Mm -hmm. J'ai envie de te parler des lieux un peu magiques et ésotériques. J'ai parlé de la rechauffer euh, quand dans les nous étions à Cornu, en, en, en Bretagne. La fées que était soi-disant construit par des fées, enfin des bonnes fées qui poussent à la fonte, des fées in shape, j'ai envie de dire, des fées qui sont un peu racistes aussi Et est-ce que tu connais l'histoire du Mont Saint-Michel, qui est en Normandie On va pas redébattre encore là-dessus. Mais ni le et non ou non Il en Normandie, point. Les pauvres, ils ont rien. Enfin, au moins, leur laisser Mont Saint-Michel. Oui, mais c'est pas les derniers à demander des subventions. <laughs> euh, L'histoire, la vraie <laughs> histoire ou la légende La légende. Euh, Saint-Michel, il y a un rapport avec la foudre, non C'est pas ça Il a terrassé un dragon, un truc comme ça. C'est ça Oui, oui, oui. En vers 700, Saint-Michel et le dragon. En juillet ou en août, je ne sais plus. C'est un jeudi, oui, c'est oui. sûr. Il se livre un combat à mort dans le ciel de Bretagne. Donc la foudre, oui, il pleuvoir ce jour-là, de toute façon. Ça commence sur le Mont-Dol. Oh. Qui culmine au rappel à 62 mètres. Mais c'est en Normandie le mont Non, mais c'est juste en face du Mont-Saint-Michel, je pense. Et ça finit au-dessus du Mont-Tombe, qui changera son nom plus tard au Mont-Saint-Michel. Ça ouais. c'est marrant, mont bon, bon c'est un nom. Mont-Tombe, dès qu'on passe en Normandie, ça y est, ça fout le cafard. <laughs> Et pour fêter sa victoire, il demande à l'évêque d'Avranches, qui a assisté au combat, qui a tout vu. Il dit Ah, bah moi j'ai vu, il a raconté à François est Normandie est-ce que pour euh, fêter euh, ma victoire, que j'ai quand même pété la gueule à un dragon eh, c'est pas qui, hein? Est-ce qu'il y a moyen moyenné que tu fasses une, une abbaye à mon effigie? Ça va le melon. Parce hein. que. Ah, il avait une patate, le père Michel. Et le problème, c'est que quand on le sait, c'est que le Mont Saint-Michel, bah, en fait, c'est une île, globalement. Donc c'est un peu chiant de construire une, euh, une abbaye là-dessus. Bah, L'évêque, il a dit, ok, bah, ce mich, il a dit, bah, bah, je vais revenir. Donc il, a réapparu, il est réapparu trois fois pour dire aux évêques. Ça, ça, ça avance sinon, l'abbaye? Non, toujours pas? Contre maître fantôme. Mais oui. Et puis au final, euh, euh, ça a été construit. Ça a mis un petit peu de temps à se construire, rapport à la marée et tout ça. Mmh. Et euh, aujourd'hui, il y a donc une, une statue de Saint-Michel qui est toute dorée. Tout, 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 haut, haut tout dorée, doré parce que toujours rapport au boulard. Donc au bout de la troisième fois, quand il est revenu, il en avait marre de toujours euh, regarder ce qui se passait. Donc il a fait un petit trou dans, dans la... la tête de l'évêque pour voir à travers. Et aujourd'hui, quand on regarde le, la dépouille euh, qui est exposée apparemment, euh, l'évêque Aubert, dans qui fait chanteur à police. Dans l'abbaye, c'est ça Téléphone, pas police. Euh, dans l'abbaye, <laughs> on voit toujours un trou dans sa, dans sa tête, qui serait apparemment le trou par lequel Saint-Michel euh, regardait qu'est-ce qui se passait. Il n'a pas été taillé par l'homme. Non. Bien sûr que non. Complot. En tout cas, c'est un lieu qui est doté d'une énergie positive, qu'on appelle l'énergie positive du capitalisme. <laughs> Si on parle de force tellurique ou trucs comme ça. Ouais, ou... bah le, le fait que ce soit une île, que ce soit une euh, comment appelle-t-on ça, une abbaye qui a été euh, qui a été construite sur un truc, que ça brave les apparemment ça brave les marées, trucs comme ça. Euh. Et Fort Boyard n'en fait pas tout un pataquès. Oui, et puis globalement, excusez-moi, mais je crois que le conseil général de la Normandie ratiboise un peu quand même euh, ouais. autour. Mais on va pas péter sur le moral, c'est quand même pas ça. Non. Si je te parle de montfort sur argent. Avec un S, hein, pas avec un T. J'ai pas. Donc c'est un ancien ah, haut-lieu euh, Ce serait pas dans. Très sud-est. Euh, sud euh... L'argent, c'est un, un fleuve. Un, une rivière, un... un cours d'eau. Côté de la Durance, un truc comme ça, non C'est pas ça euh, Je crois. Attends, je vais pas te dire de bêtises. C'est dans le Var, c'est ça As-tu ah, vu TV. Hein Gardez-le, j'ai professionnel du tourisme. Euh, donc c'est un ancien haut-lieu de l'Ordre des Templiers. -Yeah. <laughs> donc c'est à côté de donc... <laughs> Alors, mon petit. <laughs> le, le château de Montfort-sur-Argent semble aujourd'hui abriter de nombreux phénomènes surnaturels, entre apparitions spectrales, crâne humain qui change de pièce, pourquoi pas, <laughs> gémissement la nuit. <laughs> Excusez-moi, moi, moi j'ai deux, deux, deux trois trucs hein, qui peuvent euh, expliquer ça. Et en tout cas, le propriétaire de ce château, ouais. qui miraculeusement doté d'une am amnésie chronique, raconte que en fait, les Templiers sont restés là. Pour soit surveiller le Graal, soit être Templier, je sais pas, jouer aux cartes. Et comme ils sont euh, très très forts dans leur euh, engagement Templiesque, mmh. sont tous morts là. Comme ils sont morts, bah, ça fait une grande concentration spectrale, et bah la nuit, hop, ça gémit Ouh, c'est pas des bruits de vent, euh, ça a été étudié depuis Moi, tu... on... Ouais, on est dans les légendes aussi. Hein. Oui, et puis c'est rien à voir... Euh... Avec une potentielle euh, envie d'attirer du monde dans son château pour. Euh... Non. Les, les, les gens ne font pas ça. Euh, si je te parle de Mortemer. Ça me dit quelque chose, Mortemer. L'abbaye de Mortemer. Il y a, y a un. T'en as déjà parlé, je crois. Ah, c'est possible. Peut-être dans les lieux hantés. Je crois que en as déjà parlé, oui. C'est euh, une abbaye qui est en ruine et qui est apparemment méga hantée parce que, bah, vu qu'ils ont dit tout le monde là-dedans, euh... même l'église. L'église avec un E majuscule hein, ouais. a déclaré que c'était une zone la plus hantée de France. C'est en... quel coin tu l'as pas Je crois que c'est en Normandie de mémoire. D'accord. Comme tout ce qui est déprimant finalement. Oh. <laughs> vous savez qu'on a des auditeurs en Normandie. <laughs> vous le savez ça. C'est vous qui avez commencé à taper Moi quand tu dis, pas qui bah, qu réclamait des subventions, ah bah, ouais. <laughs> c'est dans l'heure. Donc est-ce que l'heure est dans la Normandie Ça n'intéresse personne cette réponse. Sinon, <laughs> c'est euh, l'heure. Ah bah si, si, si c'est la si, Normandie. Si, Normandie. Si, si. C'est peut-être pas des vrais Normands, on va peut-être se venger <laughs> <laughs> comme ça. Voilà. Donc c'est une, euh, une abbaye qui a été détruite. Il y a eu un exorcisme en 1921 et un ouvrier agricole avait été terrorisé par des bruits nocturnes dans les années 60. D'accord. Tout le village de Mortemer. Donc, bien évidemment, à partir de 85, qu'est-ce qui se passe Un musée qui se construit <laughs> pour qu'on aille plus à. Avec des boules <laughs> Venez voir les fantômes. Et comme par hasard, à partir de 85, qu'est-ce qui apparaît La dame blanche de Mortemer. Hein Comme par hasard. Hein mmh. <laughs> Donc, est-ce que tu connais, des dames blanches Apparemment, c'est pas quelque chose que. Moi, j'essaie que dans mon. Alors, j'essaie surtout pas d'en de, trouver. Dans mon patrimoine à moi, la dame blanche, on en trouve un peu partout. Hein. Un oh. patrimoine culturel à moi. La dame blanche, en fait, c'est une dame qui est morte, <laughs> globalement. Oui. Et euh, qui va sur les routes et qui, te, qui fait du stop. Et si tu montes avec elle en voiture, elle va se mettre à hurler là où elle est morte. Mmh. Donc toi, tu survivras. Par contre, si tu la prends pas en stop, ben, c'est toi qui meurs là où elle est morte. D'accord. Dans mon folklore à moi, c'est ça. Non, mais c'est euh, ce qu'on entend sur les. Enfin, ce qu'on entendait dans l'émission paranormale quand j'étais petit, dans, dans Mystère. Oui, exactement. Mais en vrai, euh, je ne sais pas s'il y en a. Non. Ah, mais il y en a partout de toute façon. C'est ouais. comme les pigeons <laughs> Et les quatre routes. En tout cas, euh, visiblement dans Mortemère, il y a globalement des chats, des chats méchants, des fantômes de chats peut-être, des fantômes de quatre moines massacrés pendant la Révolution, qui du coup viennent la voir pour. Euh, bah, Allez, ouais. Je ne sais pas, il fantôme. Du coup, le lavoir s'appelle la fontaine des célibataires, rapport au fait que les moines, bah, <laughs> ils étaient puceaux. Normalement. Je vais me faire foudroyer, moi. En tout cas, toutes ces légendes, qui étaient contrôlées par euh, la communauté de mortes de mère, Morte ont été rassemblées dans un, dans un livre ouais. qui est en vente au musée. À la boutique, à côté des boulonnais. Et visiblement, c'est quand même très, très... Euh, Très très connu parce qu'il y, y a des vieilles histoires des années 1500 qui disent que déjà euh, ça peut être du cul d'un point de vue ésotérique. Donc est-ce qu'il n'y a pas effectivement un vrai truc mmh. Après qu'on a bien étalé. Peut-être bien... Mais en tout cas, étoffé. ça fait toujours un peu bizarre. Et il y a une émission qui a été tournée là-bas, euh, RIP, qui doit, être plus, qui doit être plus ou moins les chercheurs de fantômes, trucs comme mmh. ça. les mmh. gens qui. Oh, euh... Regardez là-bas Bah, c'est une mouche. Sur RMC découvert. Et en fait, ils ont démystifié les clichés de euh, la dame blanche. Alors, est-ce que tu es, que tu es euh, familier avec le, la pareille d'Oli Est-ce que ça te dit quelque chose non. La pareille d'Oli, c'est un réflexe du cerveau. En fait, le cerveau va chercher absolument à ce que tu vois des visages partout. D'accord, je vois, oui. Euh, le, sur mon toast, j'ai le visage du Christ. Exactement. Mon... Euh, la, 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 le visage de Mars, qu'on a beaucoup vu. Ah, Qu'en fait, une montagne. Ah, moi, c'est de la lune, je vois un visage sur la, la lune. Bah, le, le visage de Mars, si je te montre ça rapidement, euh, regardez chez vous aussi, sauf si vous êtes au volant. <laughs> c'est notre nouveau jingle. <laughs> le visage de Mars. Ah oui, oui, oui. oui. On, On a un, tous un vu un dans un masque de, de théâtre, tu sais. C'est ça. Ouais. Euh, Qu'est-ce que ça peut être Les gens qui voient des visages dans les voitures, les phares, les ah, yeux, oui, la oui, calandre oui, de euh, la bouche. En fait, c'est un réflexe humain. Ouais. L'anthropomorphisme, en fait, ça. Ça, ouais. En fait, le principe, c'est que ton cerveau, il ne faut pas oublier qu'on est le fruit d'une euh, évolution quand même, non <laughs> déplaise aux créationnistes, oh, on balance en ce moment. Oh et en fait, le, le principe, c'est que ton cerveau cherche constamment à identifier des visages partout. Mm. Parce que si tu as un visage qui est caché, c'est globalement, c'est un prédateur. Donc, on préfère perdre un petit peu d'énergie à trouver un visage et il n'y en a pas, plutôt que pas en voir un. Mm. Donc, du coup, constamment, ton cerveau euh, interprète euh, des symboles qui n'existent pas pour en faire un visage. C'est tous les principes d'effet d'optique, euh, ouais. euh, les alignements la nuit avec des ombres qui font. Ah, il y a quelqu'un Ah non, c'est juste un cheval avec des. Euh, c'est juste Michel Chevalet qui est là. <laughs> Deux fois. <laughs> bon, écoutez. Et euh, donc, du coup, tout ça mis bout à bout. Dans cette émission, ils ont démontré que la nuit, avec les jeux de lumière que la lune, des euh, trucs comme ça, faisait un, un espèce de d'effets pareils d'oli sur tout le secteur qui faisaient apparaître au loin des comme des visages ou comme des, euh, des, des, des mm -hmm. silhouettes au loin ouais. mais qui sont juste des effets d'optique euh, d'accord comme ça ouais, je vois et enfin bon moi je ça, ça j'en démords pas hein. si je te parle de bugarak oh ah si, c'est l'endroit si, où on se pose les, les, la petite montagne, où se pose les secoupes, c'est pas ça Ou le, Non, la, la c'est la fin du monde maya. Je vous annonce la fin du monde euh, C'est bien ça, oui, pour oui. la fin du monde en 2012. Monde le ce... Que tu reconnais bah, On dirait euh, Tintin, non Oui, Tintin. Euh... Le prophète Oui. Donc Bugarak, euh, c'est là où... Euh, c'est un 2000... plateau. C'est un plateau où il fallait se réfugier en 2012. 12, pour éviter euh, la fin du monde. En mmh. bah, mode 10 ans après, ça va. Hein. Ah, bah oui, ça fait 10 ans, dis donc. Mmh. On fêtera ça en décembre. <laughs> 21 décembre, c'était euh, Ou 12 bah, je, décembre Je sais plus. Ouais, dis... C'était 12-12-12, non Peut-être. C'est ouais. possible, ouais. À midi-12. Ouais. Alors, ce qui est assez rigolo, quand même, c'est que euh, Bugarak, ça ne date pas de cette année-là. Hein. Donc, c'est le, le sentier du pêche, ça s'appelle. Et euh, c'est dans le courant New Age, qui date quand même. Le, bien avant. C'est un lieu qui a des propriétés telluriques très fortes et apparemment il y a un trésor caché associé, associé à une activité ovni. Je pense que le trésor très Lucara fort c'est... Il y a eu des gens, euh, Flower Power aussi, euh, à Muray. <laughs> Dans le Je jeu. pense que c'est le trésor c'est peut-être plus de la résine d'un oui. certain produit. C'est produit Et en tout cas, la mairie, à la fin 2010, se plaignait de l'arrivée massive de touristes. De Tous gens les qui... plus zinzin les uns que les ah autres. Ah bah c'est ça et en fait, la, tout ça c'est venu de la, la fin du monde du calendrier maya. Mmh. Peut-être genre qu'ils n'avaient pas besoin d'aller au-delà de 2012 quand les trucs datent de 1500. Ouais, ils se sont dit, allez, on va eh. tabler vers, allez 2000, on commence à continuer un autre calendrier, mais on a le temps de voir venir. Ah oui, bon il s'avère qu'entre temps les Espagnols sont arrivés, mais euh... toujours est-il que début octobre 2013, donc un mois et demi avant la fin du monde, euh, la crise Je ne sais pas si tu connais. C'est une fée qui chante. Non. Euh, la fée Chris, c'est un petit peu comme. Euh, la fée Redcar, du coup. <laughs> la fée Redcar, <laughs> qu'on embrasse. C'est l'autorité qui surveille euh, toutes les dérives sectaires. D'accord. Un peu comme la Mivilude, truc comme ça. Ouais. Qui. qui a fait une descente, ni plus ni moins qu'à Bulgarac, à dire Stop ils, en off -love, ils ont fait un concert, c'était génial. Mmh. Non, parce qu'ils avaient peur qu'il y ait un suicide collectif général. Euh... Oui. Donc, ils sont allés là pour faire genre Vous là-bas, reposez de jerrycanes. Allez. Ouais, ça a tellement pu se produire. Oui. Bah en fait, c'est un très grand flip euh, en France, qui est des, des sectes qui fassent des suicides collectifs ou des mmh. suicides mmh. de masse, ou des tu... tueries. On hein, euh, n'est pas, pas sectaires. leur reparlerai peut-être un, un jour euh, un peu soleil, chaudous, euh, ouais. la secte Soleil, euh, la Bref, ce n'est pas hyper feel good, donc peut-être pas en fait. Je sais pas. On n'est pas obligé de faire que du feel good. On verra. En tout cas, euh, le ministère de l'Intérieur, fin novembre avait fermé complet les accès à Bugarac. À dire ça suffit, c'est fini les ah, conneries. Ah, même les randonneurs qui passent vraiment là Tout les... le monde. Hum. Interdit zone franche. Gendarmerie, police, le grimpe. Hmm, pourquoi Est-ce que c'est notre zone 51 nous qu'on oh va, va protéger excusez, Moi je pense hum. qu'ils voulaient pas qu'on va quelque chose hum. mais après euh, on des complotistes là, À d'autres. Hum. Comme tout par je... hasard. En tout cas, ça vient ça vient juste du fait que c'est une euh, une ancienne montagne assez vieille, un peu comme euh, les Vosges, trucs comme ça. Il y a beaucoup de cavités dedans. Et on se dit, s'il y a des cavités, c'est que des aliens sont venus. Des aliens qui ont la capacité de venir sur Terre, qui creuseraient des cavernes. Pff, ça va foutre. Oui, j'ai envie de dire. En même temps, on envoie des, des machines sur, les, sur Mars pour faire des, des, des trous aussi pour euh, prélever la Terre. C'est pas faux ça. Aha, Sauf hein. que ça marche pas. <rire> <rire> la la, la personne se déconne parce que il. <laughs> <laughs> c'est Bestel. En tout cas, euh, Bugarak est un haut lieu de l'ésotérie... Euh, de l'ésotérie... Euh, française et j'ai vu des images et effectivement c'est presque mini flippant en fait hein. mmh. parce que t'as beaucoup de gens avec des cristaux euh, et tu sens qu'ils sont à ça dès qu'il y a un gourou qui débarque oh wait bah, moi je vais y aller <laughs> non mais dès qu'il y a un gourou qui débarque euh, tu sens qu'en fait as des gens qui ont besoin de croire à quelque chose euh, et si y a un nouveau cul qui se crée bah hop quick quick et tu vois t'as des images t'as des gens qui gravent des euh, trucs dans les murs des maisons euh, la fin du monde est telle date et tout. Mmh. Enfin, c'est un peu flippant comme ouais. on voit. Ah, bah. on nous met déjà dehors. Ah, on nous la porte. Eh ben, on se retrouve la semaine prochaine à Bugarak. <laughs> bah, si on nous laisse rentrer dites. Oh, Bah, Je pense que depuis 2012, ils se sont barrés. <laughs> et je me dis que peut-être dans le Sapristi ce Summer Tour de l'année prochaine, s'il y en a un, on pourrait peut-être faire le tour des trucs un peu chelous comme ça. Hey. Euh. En voilà une idée que j'aime bien. Garaque, on, bien, on va bien euh... trouver huit endroits chelous. Le Gévaudan. Oh. Le gévaudan, regardez. <laughs> Mais regardez-moi. Le Gévaudan, tu es d'accord, c'est quelqu'un. Hein. Ah bah écoute, euh, ah c'est bizarre que c'est vrai que une bestiole qui que aux femmes ou aux enfants et jamais aux bonhommes. Hein? Moi j'appelle ça quelqu'un qui voulait cacher quelque chose. Exactement. Moi je trouve ça bizarre. Ah bah samedi, ton petit projet. Bon, on en reparle. Allez, bah rendez-vous l'été pro... prochain. Salive. Allez, bah bisous. <laughs> J'ai envie de vous dire... Euh, à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Et puis bah... Soyez curieux. Pour... Exactement. Portez-vous bien. Fait. Prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. Et si vous croisez une dame blanche, prenez-la en... en stop. Ah bah ça c'est un bon truc pour faire du stop la nuit. Mmh. <laughs> ça, ça coûte cher en maquillage, mais... <laughs> Un petit drap de, de lit et puis pouf. Hein. Tagaza. Mmh. Allez, on vous embrasse tous. Bisous à la, la semaine prochaine. Ciao.